tu assistes en direct à un putain de vaisseau empoisonné qui vient de me tomber sur la tronche. Je suis pas spécialement prêt, surtout en phase de test de différents modes. J'ai pas optimisé mes défenses au nord, du moins. Il me semble pas qu'on soit déjà vu sur le stream, donc écoute, bienvenue. Donc là, ils commencent à répondre leur neige moyenne, machin, etc. Ok, dès que tout le monde se met. C'est toi le vaisseau? D'accord. Je vais t'accueillir comme il se doit. Portia m'énerve un petit peu. J'ai cherché des tas de cailloux là. Alors dès que Doc se lève, on attaque le round 2. Ok. Forcer un peu le sort. Alors, je ferme ici. Lundberg qui va ici. Ma poulette. Tu vas ici. Et non, à la faire participer à la cause. Tu vas aller ici. J'ai qui d'autre après là? Lisa. Elle va aller ici. Méga Scarabée. Il va aller là. Ok, c'est parti. Round 2, fight. Doc, il va manipuler le mortier. Et il ouvre le feu. Raté. Je veux qu'il vienne faire des bisous. Touché. Ok. Donc. Comme prévu, il se jette à gauche. Ok, chose qui n'est pas prévue, c'est qu'ils sont passés quand même bien à gauche. Attaque lune au corps à corps, ça c'était prévisible. Allez, on rentre. Ok.
Ah merde. Il y a une faille. Ah, ils attaquent toujours la tourelle en métal. Lui, par contre, il attaque la mini tourelle. Waouh, Wild, 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 Wild qui vient foutre sa merde. Ok, la tourelle est détruite. Il attaque Méga Scarabée. Ok, on passe au plan B. Alors, notre track, j'ai une grosse... Un gros problème, c'est que les défenses au sud... C'est du bois. Alors, je vais les laisser rentrer, vaquer à leur occupation. Voilà, ça par contre. Ça par contre, c'était prévisible. Alors, eux, ils sont très cons, hein. Aïe, Méga Scarabée va s'en prendre une. Allez, Méga Scarabée. Non, non, non. Alors la grosse erreur. T'abruti, bouge. Voilà. Méga Scarabée est mort. Dis au revoir à papa, Lisa. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est très chiant. Ouais, désolé. C'est très compliqué dès qu'on a des centipèdes équipés de ce genre de trucs-là. Canon incendiaire. Les défenses n'étaient pas optimisées au nord. Et c'est peut-être pas fini. Est-ce qu'ils vont continuer à faire le tour? C'est peut-être pas fini. Putain, c'est la lie de l'humanité, ça. Allez, barre-toi, Ludberg, barre-toi.
Ok, Ludberg mort. Quand je vous dis que j'avais pas les défenses optimisées pour ce genre de choses. Je sais pas, il fait des trajectoires parce qu'il est en feu. Donc il est en mode panique, il est en mode j'écoute rien. Le problème c'est que ça peut durer longtemps, cette histoire. Alors, j'ai Méga Scarabée qui est mort, donc le mari de Lynn. Le mari de Lynn doit être effondré, forcément. Lisa doit être effondrée parce que papa, il est mort. Voilà. Alors, ça va être une série de tests. Je suis en mode engagement, ce qui veut dire que toutes les pertes que j'ai, je peux rien faire. Je peux pas charger là. Donc c'est comme ça. Alors maintenant on va continuer. Lynn, non, Lynn, on va éviter. Lynn, elle va aller manger et elle va aller se reposer. Wuxu, il va aller aussi manger. Lisa, tu vas aussi aller manger. Toi, tu vas aller aussi manger. Allez vous restaurer. Portia, tu vas aller en zone safe herbivore. Il sert à rien que tu restes. Portia, si tu pourrais m'écouter, ça serait bien. Vous restez à l'intérieur, j'ai dit. Pas pris tous les pièges, non, toi non plus. Pourquoi il y en a un qui cherche à passer par là? Ah, parce qu'il n'est pas sous. On condamne cette porte. Ouvre cette porte. Allez, venez ici, les copains. Parce qu'après tout, ils sont pas tout pris non plus. Qui s'est fait flinguer. Doc, 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 doc. Équipe la carabine. Portia, il veut rien écouter. Alors, je lui dis d'aller se cacher. Ok. Là, j'ai capté leur attention. Alors, il y a qui est bonne en tir là?
Lisa, tu vas vouloir venger papa, je pense. Je les confine à l'intérieur. Ils veulent pas venir, si. Putain, il veut pas venir ce chien. Lisa est en soif de vengeance. Portée de son truc là. Bon. On va faire des sépultures. On va faire des ponts, on va faire des tombes, on va faire des tombes, on va faire. Sarcophage en marbre, j'ai du marbre. On va les enterrer. On reprendra le combat demain. Un peu de chance, ils vont s'empaler. De toute façon, ils vont s'empaler. Pas forcément le bon que j'aurais préféré qu'ils s'empalent. Ah non, ils sont vénères. Allez, on repart. Ok, doc. Non, mais on s'en fout du feu, Doc, là. Amico relation. Ah, il y en a un qui sent que tu sens que c'est parti en live. Un groupe venu d'étrangers a été largué juste au-dessus de vous. Il vient à votre secours immédiatement. Ah, mais fallait pas ça. On se fait massacrer. Ils vont se faire massacrer. Aïe 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 aïe. Oh, le gars a donné naissance. C'est la petite tranche de vie, tu sais. Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, Doc? Non, 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 Doc participe pas à ça. Hein. J'ai des gens à enterrer. Oh,
Oh là là, puis tout le monde qui sort. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, puis j'ai les miens qui viennent. Oh là, c'est le bordel. Là, là, c'est le bordel. Alors. Tu vas les manger. Toi aussi, tu vas les manger. Je veux. Ah! Les étrangers s'enfuient. Les mecs viennent m'aider. Non seulement c'est un carnage, mais en plus, ils finissent pas. Ouxou, va bouffer. Attends, puis en plus, c'est qui? Le garde Sleepy, c'est le fils du colon Wild. Si Sleepy est mort, alors là. Là, là, je pense que... Ah bah voilà, il est mort. C'est un massacre. Ouais, il a rien demandé. Non seulement le mec, il est alcoolique. Et en plus, son fils... Son fils est mort, voilà. Mon ami Lundberg est mort. Mon fils, il est sorti de nulle part. Il est mort aussi. Allez, hop, hop, hop. Les mecs, ils y vont à l'arc. Une flèche sur deux, ça tombe dans le dos de leur pote. Allez, on s'en fout. Et ils l'ont eu. Et ils l'ont eu. Alors attends. Tout espoir n'est pas terminé. Car dans ce moment de tristesse. Nous allons peut-être pouvoir sauver quelqu'un. C'est un véritable massacre, cet assaut. Allez, Lisa, va manger. Après, tu finis les tombes. Et on va enterrer Méga Scarabée et Lundberg comme il se doit. Et Doc a réussi à le sauver. Sleepy? On le connaît pas, il est pas de chez nous, lui. Je peux pas, en plus. Infecter un colon, je peux pas. Je pense que Sleepy sera... sera du côté de... Ah, une petite décharge, je suis désolé, mais... J'ai rien pour Sleepy. Oh non, mais là... Je pense qu'avant de poursuivre ces tests, je vais devoir m'occuper de faire des défenses au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le jeu veut pas. Celui-là. Allenberg. Donc on va le laisser dormir. Ma poulette va s'occuper des enterrements.
Voilà. Pardon, famille, tout ça. On va autoriser, bien entendu, la construction. Alors, on va partir sur un grand principe qu'il me faut du caillou. Parce que là, on va devoir renforcer toutes ces défenses autour là. Alors, j'ai perdu Lundberg et j'ai perdu Méga Scarabée. Ça me fait un peu chier, hein, faut dire ce qui est. Alors Lundberg était un excellent tireur, un excellent constructeur. Et Méga Scarabée était un très très bon cuisinier. Et Wall vient de péter un câble, il est reparti à l'état sauvage. Waldron en a assez de la civilisation, il s'est rendu compte que les créatures sauvages sont toujours libres. Alors il a décidé de quitter votre faction et de vivre avec les animaux. Vous pouvez tenter de l'apprivoiser pour Léo la récupérer, c'est arrivé à cause de sa mauvaise humeur. Le déclencheur a été mon fils Lundberg est mort. Oui, c'est vrai que c'était son fils aussi. Ah ouais. Bah là, ok. Bon, je veux pas le retenir. Je veux pas le retenir.